Alors, nous voici donc 5 semaines après la mise, n'est-ce pas, en place de nos rejets dans notre incubateur. Nous allons à présent procéder à une opération qui s'appelle la réactivation. Alors, je rappelle ici que cette opération-là, vous pourrez la faire entre, en fait, elle se fait entre 3 et 5 semaines. Donc, dans mon cas, je n'ai pas eu beaucoup de temps. C'est pourquoi je le fais après 5 semaines. Donc, comme vous pouvez l'observer, nous avons de très gros rejets. Nous avons de très gros rejets idéal pour l'opération de réactivation. Alors, on en a aussi des tout petits là qui sont en train de sortir. Donc, nous allons sortir les rejets pour que nous puissions mieux voir. Alors, l'opération de réactivation ici n'est pas obligatoire. C'est juste une opération qui permet d'avoir encore plus de rejets. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la réactivation. Vous pouvez passer directement au sevrage. L'enracinement est très important. On a un fort enracinement. Wow! Vous voyez toutes ces racines. J'ai dû bagarrer, n'est-ce pas, pour pouvoir enlever cela. Observez. Aïe, 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 aïe. Très bien. Vous observez. Là, on a encore des petits plantules qui commencent, n'est-ce pas, à se développer. Et je pense que le développement de ces petites autres plantules-là est freiné à cause de ces trois gros colosses-là qui auraient été dû réactiver depuis. Donc, comme je vous disais, le réactivement se fait entre 3 et 5 semaines. Voilà. Alors, cette opération va consister, n'est-ce pas, à détruire ces gros rejets-ci, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent produire à nouveau de petits rejets. Donc, vous allez nettoyer cette peau noire-là. Maintenant, observez. Vous observez, là on a une partie qui est blanchâtre et en haut on a une partie rougeâtre. Vous allez venir couper, n'est-ce pas, entre ces deux couleurs-là. Avec un couteau bien tranchant, bien sûr. Voilà, on va couper ça comme ça. Et comme nous l'avons fait, n'est-ce pas, au début de notre opération, nous allons tuer le bourgeon principal. Nous allons tuer le bourgeon principal avec une simple incision comme cela. Voilà, on peut creuser encore comme ça pour être sûr, n'est-ce pas? Voilà, notre opération de réactivation, n'est-ce pas, est effectuée. Nous allons faire de même pour les autres rejets. Ouais. Et maintenant le plus gros. Voilà. Voilà donc notre bulbe réactivé. Ok. On va le remettre dans notre incubateur. Donc nous allons remettre notre bulbe dans l'incubateur. Voilà, comme cela. Et nous allons le recouvrir. Nous allons passer au second. Alors observez, celui-ci a un peu plus de
rejet qui se développe. Vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ce qui est sûr, il y en a encore, n'est-ce pas? Il y en a encore des autres là cachés par le copeau qui sont en plein développement. Donc nous allons procéder à la réactivation de celui-ci et de celui-là. Ok, voilà, notre opération de réactivation est terminée. Ouais, notre opération de réactivation est terminée. Donc nous allons refermer notre incubateur et patienter encore 1 à 2 semaines pour voir le résultat. Bien, nous voici donc 2 semaines après, n'est-ce pas, la réalisation de notre opération de réactivation. Nous allons ouvrir notre mini-serre. Voilà. Vous voyez. Bien, à présent, nous allons passer au sevrage, n'est-ce pas? Donc, nous allons d'abord retirer ce monsieur-ci. Une fois de plus, l'enracinement est terrible. Voilà. Ouf. Bien, maintenant le sevrage, c'est la partie la plus simple, si on peut dire comme ça, vous voyez. C'est la partie la plus simple, donc on va écarter d'abord le copeau. Voilà, on va retirer ce monsieur-ci. Ouais. Et là, vous le retirez délicatement, n'est-ce pas? De façon à ce qu'il sorte avec toutes ses racines. Voilà. Et voilà un premier plantule, n'est-ce pas? Ou alors pif. Ouais. Et là maintenant, ce qu'on peut faire encore, c'est que on va faire ce qu'on appelle l'habillage des racines. On va couper comme ça. Ah, c'est solide, hein? Voilà. Mon couteau n'est pas très tranchant. Bon, je vais utiliser la lame. J'ai aussi la lame. Voilà. Là, ça va aller vite. Vous voyez? Donc, on va faire un sevrage. On va faire un habillage des racines. Comme cela. Oui. Et là maintenant on va déposer ça à côté d'abord. Et puis on va continuer notre quête, n'est-ce pas, au plan ayant des racines. Parce que si vous retirez un plan qui n'a pas de racines, ça va pas pousser, ça va mourir. Voilà, celui-ci. Celui-ci, vous voyez, il a une racine là. Celui-ci. Donc on va essayer de l'extirper, voilà, comme ça, délicatement. Voilà. Oh, sa racine, sa grosse racine là s'est cassée. Mais néanmoins, il y en a encore là, vous voyez. Regardez donc, regardez ce monsieur. Vous voyez, ça c'est un des gars qu'on a réactivé la dernière fois. Où est-ce que je vous expliquais que ces gros bourgeons là, n'est-ce pas, ils absorbent tous les éléments nutritifs et empêchant les autres de se développer. Regardez maintenant ce qu'ils ont développé ici là. Oh, voilà ce qu'on a réactivé la dernière fois. Il y avait celui-ci et voici son frère ici. Vous voyez, ils n'ont même pas sorti le truc. Mais par contre, d'autres rejets sont développés à l'intérieur là. Donc il y a des yeux partout, là voici encore un autre, donc j'ai 3. Mais maintenant vous voyez que il est en train de ressortir encore 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Or si on l'avait sevré, on n'aurait eu qu'un seul rejet. Donc vous voyez ce que vous disais, donc que la réactivation permet d'avoir plus de rejets, ce n'est pas obligatoire. Parce que vous voyez que si on avait sevré, la dernière fois si on avait sevré ces 3 rejets là, ceci serait sorti toujours. Vous voyez? Or quand on a réactivé maintenant, celui-ci qui devait nous donner 1, va nous donner maintenant 4. Regardez celui-ci, il est en train de sortir aussi.
Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc, la réactivation vous permet d'avoir un maximum de rejets. Voilà, j'espère que c'est compris pour tout le monde. Bien, une fois notre sevrage terminé, voilà ce qu'on obtient. Alors ça, ce n'est que le premier sevrage. Nous avons obtenu 25 plants. À la base, nous avions 5 rejets. Donc, à présent, nous allons remettre nos rejets, n'est-ce pas, dans l'incubateur, afin que ceux-ci puissent nous reproduire d'autres rejets. Car n'oubliez pas, un rejet comme ceci peut vous produire en moyenne 50 plantules de bananier plantain. Ceci étant fait, nous allons remettre notre bâche. Bien, à présent, maintenant, nous allons mettre nos plants, n'est-ce pas, dans les sachets, afin que ceux-ci puissent se développer davantage, avant que nous ne les amenions, n'est-ce pas, à la plantation. Donc, comme je vous disais, lorsque les racines sont trop longues comme ça, vous faites un habillage. Voilà. Voilà, là c'est bon. On tasse légèrement. On n'a pas demandé d'amener, on dit tasser légèrement, vous voyez. Voilà, voilà, un plan qui est prêt. Bon, là nous allons prendre un petit. Vous voyez. Il a quelques racines. Voilà, à présent on arrose légèrement. Bien, nous voici donc 2 semaines encore après notre premier sevrage. Observez, vous voyez comment les nouveaux plantules se sont développées. Donc, vous voyez donc que là, on peut encore obtenir même une trentaine de plantules, comme lors de notre premier sevrage. Aïe. L'enracinement est toujours aussi important. Voilà. Et comme je vous le dis toujours, plus vite vous sevrez, n'est-ce pas, plus vite vous aurez de plantules. Parce que quand les plantules poussent jusqu'à ces gros comme ça, là, ça empêche, n'est-ce pas, les petits ici de se développer normalement. Vous voyez, ça par exemple, c'est une touffe de ce qu'on avait réactivé dernièrement. Là, vous avez vu combien ils ont encore sorti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une douzaine environ. Vous voyez les gros plantules qu'on a eu à réactiver là, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça c'est la réactivation, ça c'est le résultat de la réactivation. C'est le nombre de plantules qui poussent là. Résultat de la réactivation. Maintenant, observez ce plantule-ci. Vous voyez comment il y a les racines. Lors de notre précédent sevrage, il n'avait malheureusement pas eu de racines. Mais on l'a remis dans l'incubateur, regardez comment les racines sont sorties. Si on l'avait directement mis dans un sachet, il aurait certainement séché. Donc voilà une astuce. Si lors de votre sevrage, un de vos plantules sort sans les racines, vous le remettez simplement, n'est-ce pas, dans votre incubateur, et il va sortir les racines comme ça. Et à ce moment-là, vous pourrez, n'est-ce pas, le remettre dans un sachet. Si vous le mettez directement dans un sachet sans qu'il n'ait de racines, il va sécher ou alors pourrir. À présent, observez les plants qu'on avait sevrés la dernière fois. Vous voyez comment ils ont tous pris. Tout ça, il n'y a pas eu. Bon, voici un. Qui est un peu, on dirait qu'il est en train de mourir.
Mais quasiment tous, n'est-ce pas, ils ont pris, ils ont déjà traversé la phase d'adaptation. Donc, vous voyez, c'est assez simple, c'est très simple. Après le sevrage, vous arrosez simplement tous les jours. C'est vrai, hein, à certains moments, vous aurez l'impression que vos plants sont en train de mourir, mais continuez d'arroser chaque jour. Ça va prendre. C'est ce qu'on appelle la phase d'adaptation. Vu qu'ils sortent de l'incubateur, ils ne sont pas, n'est-ce pas, habitués à un milieu, au milieu externe. Donc, du coup, ils doivent s'adapter pendant une certaine période. C'est pourquoi vous aurez l'impression que ça meurt. Pourtant, ça ne meurt pas. Voilà, ça vit. Voilà donc à vous expliquer la légendaire technique des pifs, qui vous permet à partir d'un rejet de bananier plantain d'obtenir une multitude d'autres rejets comme ceci. Nous avons obtenu là 25 plantules et nous avons encore là une multitude d'autres. Nous n'avons juste pas voulu refaire le sevrage parce que nous avons déjà eu à montrer cela précédemment. Donc du coup, ceci va rester là, on va sevrer cela après. Alors la campagne agricole de 2023 est déjà très proche. Et pour tous ceux qui désirent se lancer dans la culture de bananier plantain, n'hésitez pas à passer votre commande de plantules chez nous. Nous vous livrerons peu importe votre zone géographique. Et en bonus, vous bénéficierez certainement de notre accompagnement. En fonction de votre objectif de production, nous vous indiquerons la variété qui ici est le mieux. Car en réalité, dans cette histoire de bananier plantain, il y a des variétés adaptées pour la production des chips, il y a des variétés adaptées pour la production de farine de bananier plantain, il y a des variétés qui ne vous produiront que des régimes de 5 kg. Des régimes avec quelques doigts. Fertiliser n'importe comment, mettez l'engrais n'importe comment, ça produit son petit régime. Ce n'est pas un problème de fertilité, mais c'est un problème de variété. Et si vous vous lancez sans toutes ces informations, vous allez vous péter la gueule. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a édifié. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là pour l'acquisition de vos différents plans. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse en profiter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.